Bah, salut tout le monde, c'est Matt, on se retrouve sur Arc. Non, à votre avis, c'est quoi? Le barbu là, c'est Arc, hein, forcément. Donc ma barbe est toujours aussi épaisse, j'ai toujours pas fait de ciseaux, je sais pas si je peux le faire tout de suite, on verra plus tard. Pour l'instant, le look ZZ Top, habillé de cuir, un peu style sadomaso, je trouve ça assez fun. Donc on va rester comme ça. Donc on va regarder, donc il s'est passé quelques petites choses depuis le dernier épisode. Je fais un petit tour sur les œufs et le caca au passage. On commence toujours un bon épisode par ramasser de la merde. C'est parfait. Un œuf, par contre, ça me plaît. Hop. The Dilo, il va nous en falloir. Un seul, c'est tout. Ah, les escrocs. Pas d'œufs de terrain. Ils ont pas pondu entre. Non, c'était. J'ai confondu avec sa cuisse. La tortue. Ah non, ils sont pas très généreux. Ah tiens, dis donc. Madame Trissé, toute seule, m'a fait un œuf. On a des niveaux à prendre, mais je verrai plus tard. Un petit peu de crotte. Ah, tiens. Parfait, ça. Par contre, va falloir que je remette du branchage là-dedans. On va dire que... Pour gagner du temps, je vais faire 50-50. Faut 50 branchages. Ah, pourquoi ma porte elle est ouverte? C'est dangereux ça. Oh, Fioma, tiens. Ah, Fiomia, ah, je suis en train de crever de faim. De la bouffe, est-ce que j'ai de la bouffe? J'ai plus de bouffe de cuite. Je vais en remettre à cuire. Oh, bon. Je vais me faire un petit milkshake d'œuf. Ça va très bien le faire. De dodo. J'ai ce qu'il faut, je peux les manger, c'est pas un problème. On va allumer le feu et on va se faire chauffer un petit beefsteak ou deux. Je vais ranger les conneries que j'ai sur moi et on va s'y mettre. Pourquoi, je sais pas, mais on va s'y mettre. Le Fiomia devant, je vais peut-être bien lui faire sa fête. Je vais peut-être bien lui faire sa fête parce qu'il a une fonction très utile, le Fiomia, que je voudrais bien vous montrer. Il est très très utile. Après, faut pas qu'il ait un niveau trop gros pour pas que ça prenne des plombes. Et je pense que c'est gérable. Je vais juste me prendre un petit peu de narcotique. Des flèches tranquilles selon son niveau, je vais m'adapter, mais normalement ça devrait le faire. La forge, il me reste un petit peu de métal. J'ai pas refarmé de métal, mis à part les petits morceaux que je mets à chaque fois. La viande pourrie. Pensez à conserver un minimum votre viande pourrie. Poudre étincelle, je suis bon pour l'instant. D'ailleurs, poudre étincelle, on n'est pas là, j'ai un peu de silex, un peu de pierre, hop, on va se mettre 50 poudre étincelle à faire dans la foulée. Alors, le fiomir, on va se le choper pour une bonne raison que je vais vous montrer dès que je vais l'avoir ch chopé. Il est sensible au bolas, on va fermer la lourde. Ils sont dans les environs, tu vas te faire bolasser. Ouais, ça marche en lui, j'ai eu un doute à un moment. Niveau 16, niveau 16 ça va. Allez, dors feignant. Voilà. J'ai pas vu torpeur en 456. On va y mettre tout de suite ça. Fiomia, beaucoup y voient uniquement de la bouffe. Parce que c'est vrai que quand on en tue un, on récupère vraiment pas mal de viande, c'est une super espèce pour pouvoir faire de la viande. Et c'est une bonne espèce pour autre chose. Bon, le Fiomia aime les méjoberries, donc on lui met des méjots. Et j'en ai pas beaucoup, dis donc, de méjots. J'ai utilisé un peu de narcoberry. La steamberry, je vais la prendre. Vous comprendrez pourquoi après. Le temps qu'il se tame, on va prendre ma mère, on va se faire un petit peu de baie. D'ailleurs, elle a quoi, elle un niveau d'énergie parce qu'elle est. Et bah elle fait sa petite danse. Voilà, on va sortir la grosse. On va lui dégourdir un peu les pattes. La porte c'est bon, elle est repassée en automatique. On va choper quelques baies. Donc je vais faire une des techniques pour ce. Ça fait. Ah, elle a fait une crotte. Une des techniques qu'on peut faire qui pour moi sert à rien, mais je vais vous montrer quand même.
C'est le laisser avoir faim. Je vais laisser baisser sa faim, on va dire au moins jusqu'à 2008. Allez, 2008. On surveille sa torpeur, on n'y met pas à manger. Je fais des baies, je vais faire un petit peu de baies rapidement pendant ce temps-là. Je vais vous montrer un petit peu le. Il y en a beaucoup qui font ça. Donc le principe c'est. Il y a un terri, non? On avait un tout à l'heure. Le principe c'est d'affamer le dino que vous voulez tamer. Vous le laissez s'affamer tranquillement, vous surveillez juste la torpeur. Et quand il a bien faim, vous lui mettez de la bouffe. Le principe est qu'il va, il va se jeter dessus comme un crevard et il va se tamer très rapidement. Donc, il y a deux écoles. Une école qui dit que c'est super rentable, ça vaut carrément plus le coup de faire ça, de lui donner faim. Et une autre qui dit que ça sert à rien. Donc moi je fais plus partie de la deuxième en disant pour moi ça sert à rien parce que le temps que vous allez passer à attendre, c'est du temps que vous allez compenser au niveau du tam quand il va avoir plus faim. Donc le résultat est équivalent. Le temps que vous mettez au début, avant de lui donner à manger, ou celui que vous mettez pour le timing, ça va revenir exactement au même en fait. J'ai fait plusieurs essais, à moins que j'ai peut-être pas fait les bons essais ou j'ai peut-être pas tout vu. Si vous avez si vous avez une idée sur le sujet et que vous pouvez me prouver que j'ai tort, j'admettrai volontiers avoir tort et je me servirai de vos consignes si c'est vraiment utile. Chose étant que moi, c'est pas les constatations que j'en ai fait, c'est que ça servait tout simplement à rien. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, je peux me tromper, je ne sais pas tout. On va lui donner à manger, on va voir un petit peu si à la fin c'est madame ou c'est madame. 2006, parfait. 2006 à la fin, je vais m'assurer d'avoir pas mal de baies. Il faudrait pas casser le timing. Ça adore les méjots. On va lui mettre pas mal de méjots. On va voir ce qui se passe. Elle va manger, manger, manger. On va s'apprivoiser direct. Pour savoir que c'est un Fiomia, ça se tame relativement facilement, c'est un niveau 16. Donc bon, c'est pas la folie non plus. Hein. Le Fiomia, je sais plus, je sais qu'il a des croquettes pour pouvoir en choper, il me semble. Je dis pas de conneries, mais je me rappelle plus. Ou bien c'est une chaîne à part, le Fiomia, je sais plus. J'essaie de me rappeler, mais je me rappelle plus. Je sais plus du tout. Je les ai toujours chopés comme ça, simplement sans vraiment m'occuper de croquettes ou quoi que ce soit, parce que ça chope relativement facilement, hein, c'est pas vraiment le souci. Qu'elle mange. Là, va se tamer. M'a fait peur ce trou de balle. Par hasard, ça serait peut-être intéressant d'en choper un autre aussi. C'est quoi, t'es une femelle toi? Ah non, tu t'appelles poste. Non, pas bouger le cochon, pas bouger. Par hasard, c'était pas prévu au programme, mais je vais me la faire au passage. J'ai des baies sur moi. Tu vas dormir, t'es pas un gros niveau, mais t'es une femelle, tu vas me faire un œuf de plus de temps en temps, ce sera très bien. 131. Alors toi, tu me rends. Les narcotiques, tu vas me donner. Ouais, tu vas me donner un paquet de baies. Allez, ça, t'en, ce sera très bien pour toi. Mes filles, il y avait un raptor qui traînait tout à l'heure. J'ai pas envie de me faire attaquer. Razor, niveau 10. Ouais, femelle niveau 10, ça va se tamer tout seul. Je m'occupe de rien. Je le laisse faire. On va rentrer Madame Cochonne. J'appellerai bien Peggy. Je laisse la décision du nom. Tiens. Et c'est à lunettes là. Allez, on rentre. Rentrez bien droit, sinon ils vont. Je crois qu'ils allaient se coincer ces coucouilles. Allez, tout le monde rentre. Donc la selle sera faite pour le Fiomia, mais plus tard. Parce que pour l'instant, c'est pas forcément super utile. Ça va se tamer tranquille. On va pas s'en occuper. On va laisser faire. Et on va voir tout de suite le Fiomia. Donc déjà le Fiomia fait de la crotte moyenne. Donc la crotte qui nous intéresse simplement. C'est assez bizarre de dire qu'on s'intéresse à de la crotte. Il y a vraiment que c'est rare qu'on voit ça.
Toi, tu vas venir là. Et la cochonne là. Hop hop. On obéit. Je vais la mettre à côté. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc le Fiomia a une faculté, enfin si on peut appeler ça une faculté. Hein. C'est assez bizarre, je vais y remettre un peu de mes joues et... j'ai pas beaucoup de mes joues. Bon, je vais mettre une poignée d'azul, mais ça marche moins bien. En fait, il a une... Comme je dis, une faculté, c'est assez bizarre de dire une faculté. C'est qu'il peut chier à la demande. Voilà, c'est grossier, mais c'est clairement ça. Le Fiomia chie à la demande. Donc faut simplement le l'assoiffer, lui donner faim. Et le Fiomia c'est presque comme un canard en fait. Hein. On est presque dans le cheminement direct. Ça mange, ça chie, en gros. Donc pour le faire manger et lui donner faim en plus par la même occasion, on lui fait manger de la Steamberry. Chose étant, c'est qu'il faut absolument, parce que là, de ce fait, on va faire baisser sa jauge de nourriture. Il faudra toujours... Il est du méjo sur lui parce que s'il peut pas se nourrir, forcément il va claquer. Hein. Vous allez le faire crever, voilà, une crotte en direct, c'est parfait. Et vous voyez, si on force, on lui force à manger. Continue, force, on en met une de temps en temps. Crotte. Vous voyez, sa jauge de nourriture descend. Et si on spamme la touche, ça fait quoi? Ça fait un gros tas de merde. Et encore, j'ai été gentil, on peut spammer beaucoup plus que ça. Là, j'ai pas mis beaucoup de baies et tout. J'ai pas voulu en mettre trop. Donc, pour remplir les composteurs, y a franchement pas plus simple. Ça va tout seul. Si on a un Fiomia, on se garantit d'avoir de l'engrais, enfin, de l'engrais, oui et non, d'avoir des composteurs pleins en permanence. Le Fiomia se chope très simplement. Donc avec ce genre de technique, vous n'avez vraiment pas d'excuses pour avoir des composteurs complètement remplis. Ça va quand même très très facilement. Là je pourrais rajouter un composteur même. En ayant un Fiomia, 5 composteurs c'est bien. On peut remplir, après bon pour l'instant on n'a pas encore beaucoup de dinos, mais ça se remplit quand même, hein. L'air de rien, ça se remplit. Hein. La serre est pas finalisée pour l'instant. Donc je range mes engrais un peu... à l'arrache n'importe où. Quand la serre, qu'est-ce que je fais? Bon, on s'en fout. La crotte, tant pis, on a de la crotte dans une armoire. Il y a déjà partout avec ces saloperies de dodo. Non, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça, ces œufs. Ma viande, c'est vrai, j'allais oublier ma viande. Bon, bref. Des poules après tout, on passe plein d'une poule qui pond. Hein. On est où toi? Voilà, hey, un par hasard de plus. Ah, je vous dis, ça va finir... ah oui, tiens. Un truc que je vous ai pas montré. Je passe sur l'essentiel des constructions que j'ai faites. Construction. Ah, c'est un grand mot. Allez, viens, mère. Je vais rejoindre tes collègues. Ah, il y a un œuf d'ailleurs. Voilà, allez. Tu braques, tu braques, tu braques. Eh bien, parfait. Un œuf, je vais pas halluciner. Oh. Un œuf. Bon, les crocs pour l'instant j'ai ce qu'il faut. Faudra que je remette du branchage. Je m'occuperai de ça après. Dilo. Ah, je vous dis, ça va. Tous les épisodes, il va avoir du timing de tous les côtés. Hein. C'est un mâle. Oh. C'est un mâle, c'est de la viande. Tous les dinosaures, surtout les petits, ont potentiellement de quoi manger. Je vais pas regarder son niveau, mais. Enfin, du lot, quoi. Niveau 20. Allez. Ça va ripaille, pas de problème. Donc voilà. J'ai commencé, je vous en avais parlé dans l'épisode précédent. Qu'il faudrait que je commence et que j'attendais d'avoir le 2 Icurus pour le faire. Eh, c'est quoi les rollbacks là? Et là j'ai commencé. Donc j'ai commencé bien, hein, ça. Ah, encore. Hein. Une femelle aussi. Mais bon, niveau caca avec un pour l'instant, je suis bon. Il y en a encore un là-bas, allez, hein. Et un terrier aussi là-bas. Et le mur, pour l'instant, je vais jusque là. Il va falloir me faire attaquer, je suis déshydraté, j'arrive près de l'eau, c'est parfait. Oviraptor. On continue, on continue.
J'ai fait un bon morceau. Bon, c'est que sur un des hauteurs. Vous voyez un passage, je vous avais dit. Je vais avoir un passage avec de l'eau dedans. Donc, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour ce que je veux faire. Ça, vous verrez plus tard par la suite. Bon, un peu pourri. Vous verrez plus tard le principe d'avoir de. Repéré ou pas repéré? Non, ça va. Donc on continue. Après, je vais continuer par là encore un petit peu. Puis après, je recoupe pour aller au bout. Pour pouvoir fermer. Donc, tout ça, là, tout ce qu'il y a là. Jusqu'au bout, jusque sur la plage, ce sera à moi. C'est quoi ça? Je méfie le viraptor, un peu la démarche d'un troudon. Je suis pas trop confiant. Donc là, on a des œufs, on va pouvoir choper quoi comme autre bestiole? Ce qu'il faudrait qu'on chope, c'est du scorpion. Le scorpion, c'est une autre chaîne. Donc là, on a la chaîne du dilo, on a la chaîne du dodo. Faudrait choper du scorpion parce que le scorpion, il est très très important. Parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à choper des rex. Et des rex, j'en veux une armée. Donc par hasard, j'en ai rechopé un parce que c'est la chaîne pour pouvoir choper des raptors. Raptors, j'en veux une armée aussi. Donc les carnivores, je vous préviens, je vais me lâcher, mais alors sérieusement, aussi bien au niveau reproduction, la totale. Hein. Il va vraiment en avoir un gros gros paquet. Hein. Des meutes, j'étais habitué sur mon serveur à avoir une meute d'une dizaine de raptors, une dizaine de loups, des dents de sabre aussi. Donc je vous préviens que ça va sévèrement chier à ce niveau-là. Donc en attendant, pour l'instant, on n'a pas foutu grand-chose. Bon, on a chopé deux dinos. Malgré tout, je vous ai montré pour le Fiomia, on a avancé un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà je choperais bien un raptor pour me balader et faire de la peau. Et un scorpion. Donc si on arrive à cet objectif-là dans la vidéo, déjà c'est très bien. Donc je vais regarder au niveau des flèches. Et scorpion, ce qu'il faut pour le nourrir, c'est de la viande pourrie. Donc qu'est-ce que j'ai comme viande pourrie sur moi? J'en ai 64. 64 en principe je suis pas mal. Ça va pourrir un petit peu sur moi, mais en principe je suis pas mal. Narcoberry, j'ai un petit peu de narcotique. On va ranger les œufs de parosaure. La viande, je vais la ranger pour l'instant. Faut que je fasse attention, va falloir que j'aille chercher du pétrole. Donc dans la zone, c'est pas trop un souci. Narcoberry, je garde. Faut que je me fasse quelques flèches. 6. 6, 6, 6. On va se faire quelques flèches. On va en faire 7. Pour l'instant, je veux pas bouffer tout mon narcotique. Bon, après, vous me direz, je peux utiliser Narcoberry, hein. J'ai assez de poids sur moi. Par contre, attention à mon armure est presque pétée. J'ai pas envie de gaspiller la peau que j'ai sur moi. Tout ce qui est pété. Tout ce qui est pété, je vais changer. Hop. D'or, c'est ce que j'ai récupéré dans le beacon la partie précédente, dans l'épisode précédent. Voilà. Tout est neuf et l'équipement que j'ai, je vais le mettre dans l'atelier, je le réparerai plus tard. Tac, voilà. Là, on est pas mal. Donc, on va en quête de scorpions, parce que c'est la priorité. Et les scorpions ont un vice aussi. Quelque chose d'assez chiant, c'est qu'il en faut quand même déjà une certaine quantité pour pouvoir avoir des œufs. Déjà, faut un mâle systématiquement. Et faut déjà en avoir une certaine quantité. En dessous de 2 ou 3 scorpions, 2 ou 3 femelles, j'entends, c'est compliqué pour pouvoir avoir des œufs vraiment de manière significative. Parce que là, on parle de choper du T-Rex, hein, pas du dodo. Hein, donc il faut quand même un minimum. Donc, du scorpion, il y en a régulièrement ici. J'espère en trouver. Ah, j'en vois un là-bas déjà. Un ou une. Peu importe, pour l'instant on n'en a pas. Par contre, il y a un dent de sabre. Faudrait que j'arrive à l'aggro sans un gros dent de sabre, ce qui est pas génial. Et je peux pas le grab avec le Ptera. Par ici, il n'y a rien qui risque de venir m'attaquer ou pas. Par ici, ça a l'air bon. On va se poser là tranquillement. On va mettre Pépère en passif. Le dent de sabre est pas loin. J'aimerais éviter de m'attaquer aux dents de sabre quand même. Scorpion, il est juste là. Ils aggro d'assez loin, les scorpions.
jamais relève le dard, c'est qu'il m'a repéré. Non, pas de l'autre côté. Viens, viens ici. Non, pas cette pièce-là. Pas cette pièce-là. Je tire pas assez loin. J'ai loin de partir avec un arc tout bidon. Viens me chercher, viens me chercher. Ah, allez, viens. Ça, je vais pouvoir voir si j'ai aggro que ça. Si j'ai aggro autre chose, je me casse. Pas très rapide, un scorpion. Je sais plus si les bolas fonctionnent. Ah, si jamais il met des shoots, il m'endort. Putain, il y a un. Non, non, tu laisses ça. Il pensait, c'est très bien. Allez, tu vas dormir. Niveau 24, 24, c'est correct. Une femelle. Un sarco là-bas, par contre, il est pas très loin. Un sarco, il y a du dent de sabre là-bas. Par contre là, pour maximiser les chances de l'avoir, je vais mettre de la nourriture juste à la dernière minute, quand il aura bien faim. Comme ça, dès que j'ai mis la viande, j'ai pas passé du temps à attendre un timing qui va monter, peut-être être à moitié, puis il va se faire bouffer par autre chose. Ça m'arrange pas trop. Je peux pas aller en chercher un autre, moi j'ai encore 6 flèches. On avait un autre là-bas, mais il y a un dent de sabre aussi. Condoptera, il m'a fait peur. Ah, il y a une femelle là-bas aussi, ça m'intéresse. Hein. Je vais faire gaffe à sa torpeur, ça descend un peu plus rapidement sur un scorpion. Non, ça va. Combien de torpeur, mes mères là? 357, ça descend tranquillement. La faim descend tranquillement aussi. Pas des gros niveaux, mais c'est largement suffisant. Il y a du morpho donc qui se promène. Scorpion, le dent de sabre, je le vois plus. Il y en a un autre juste là. Ah ouais, toi, viens. Viens chercher bonheur. Il y a une fille du dent de sabre, enfin, qui vienne me bouffer le scorpion. Allez, viens. Bonjour. Niveau 32 en principe ça devrait être bon. Oh, les flèches. Ma dernière flèche. Ah, tu tombes, vite, vite, vite. Elle est tombée. J'ai une frayeur. Il se relève d'un seul coup, il m'endort. Derrière, je me fais bouffer par ce qui traîne. J'ai fait mon piaf. Ah, je l'ai laissé là-bas. Bah non, c'est quoi cette blague? Oh, je suis juste à côté. Oh, c'est plus des lunettes, c'est un chien qu'il me faut là. Deux femelles. Donc deux femelles, c'est déjà pas mal. Donc, je vais faire un cut. Je vais les choper. Ah, toi, si tu viens de poser là, je te chope aussi. Hein. Je vous préviens, je suis un compulsif sur le timing. Hein. C'est pas trop le genre de la maison de faire un épisode pour en choper un dino. Hein. Il y a des épisodes où quand il va avoir des croquettes, je vais en choper 15 dans l'épisode, hein, je vous préviens. Si vous voulez voir du monter tranquillement, c'est pas prévu au programme. Hein. À un moment, faut que ça chie, quoi. T'as faim, toi? Ah, ça commence à avoir un petit peu faim. Allez. Là, c'est glouton, quand même, hein, le scorpion, ça se tame assez rapidement. Tous les premiers de chaîne... Ça me relativement rapidement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je les ramène jusque là-bas. Donc l'escorte, ça va quand même être assez chiant. Mange. Prendre la moitié. Toi, tu dis quoi?
Oh bah allez, mange. C'est manger. Argentavis, pas bon. Argentavis, quel niveau? Ça, c'est de la saloperie, c'est Imagro au niveau 19. Il va venir m'emmerder, je le sens. Je sens qu'il va venir m'emmerder. C'est de la saloperie, ça. Il va venir en profiter pour aller, pour venir me bouffer, le scorpion. Ça va. Pas confiant du tout. Hein. Cette zone-là, elle pue quand même. Hein. Non, ça va. Il a pris de la hauteur. En principe, il devrait pas venir m'emmerder. Donc, on coupe. Et on se retrouve à paix une fois que les deux Madame Scorpion sont debout. A tout de suite. Bon, voilà. Donc, les deux sont levés. La deuxième vient juste de se lever. Il y a de l'Argentavis un peu partout. Il va falloir que je pense à me casser. Donc, va falloir qu'ils me suivent. C'est pas super rapide. Je vais essayer de contourner. On va essayer quand même d'arriver à bon port. Et venez les mémères. J'ai pas envie de les perdre. Et la zone est quand même assez dangereuse. Donc, et j'ai rien pour grab. Donc un Argentavis serait pas mal parce qu'on peut grab, des petites créatures un petit peu plus grosses que le Ptera. Le Ptera, on peut vraiment pas grab grand chose. C'est vraiment les toutes petites. Au-dessus d'un Dilo, le Ptera, c'est mort. Pourrait pas tomber sur quelque chose de trop violent et. Comme un Sarco par exemple. Bon, vous bougez pas. Je vais aller voir un petit peu le Sarco ce qu'il me dit. Sarco mâle niveau 25. Peut peut-être me le faire. J'ai 31 flèches. Je pense que. C'est quoi ça? Coincé? Je sais pas ce que c'est, mais c'est coincé. Quoi? Un dilo. Ouais, c'est coincé, donc va te faire mettre. Je suis déshydraté. Le Sarco, il va m'attaquer clairement. C'est obligé, il va m'attaquer. On va aller s'abreuver tranquillement. J'ai pas envie qu'il attaque les scorpions, donc je vais essayer d'y casser sa tête. Les bolas fonctionnent pas sur le Sarco. Il est où ce boulet? Viens mon petit pote. Viens. Ah ouais, il fait mal ce con. Je vais me faire des godasses avec ta peau raclure. Sur terre, le Sarco est quand même très lent. Saigne, hein. Ah, je vais bientôt saigner si je cours pas plus vite. Et tiens, allez, dégage. Un peu de peau de crocodile. Moi mes flèches. Et en plus, on se fait pas mal de peau. Une viande crue au passage. Parfait. Voilà. Cible de moins. Donc là, je peux les appeler tous. Je suis loin de la maison, je risque pas de foutre le bordel. Allez, les copines, on est parti. Bon, je coupe jusqu'à être à la maison. Sauf s'il y a un problème. Ou je reviendrai entre deux. Sinon, on se retrouve à la maison. Voilà, nous voilà rentrés. Donc ça a quand même pas été marrant marrant parce qu'il y a deux raptors sur le chemin qu'il a fallu dézinguer. Un Pegomastax et il a fallu éviter les Wolverines là, les Terrizos, parce que ceux-là, ils tapent vraiment trop fort et j'ai même pas regardé leur niveau, j'ai pu les éviter, c'était très bien. Donc on arrive pour le. J'ai pas un niveau, tiens. Niveau santé, 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 poids. Poids pour l'instant il m'handicape pas. Je vais remettre un point de santé. Et on va regarder pour la selle du scorpion.
ils ont mis Scorpion. Ils ont mis Scorpion. Je sais que le Scorpion s'appelle Pulmo. Il se peut. Je peux le faire directement sur moi. Qu'est-ce qu'il me faut? Alors, oh, 170 pots, à mon avis, je les aurais pas. J'aimerais bien pouvoir faire deux selles, c'est enfin, au moins une pour pouvoir les déplacer. Là, pour l'instant, j'ai pas encore fait la totalité du camp, et niveau place, au fur et à mesure, je vais quand même rapidement manquer. Donc 170 pots. Qu'est-ce que j'ai comme pots sur moi? J'en ai 71 là. Vous avez frité, y a pas quelqu'un qui a récupéré quelque chose? Un petit peu, bah, ils ont pris du level. Donc level pour eux, sachant que ça va être des pondeuses. Je m'en fous un peu, je peux monter le dégât de mêlée à la limite si je vais aller m'amuser à endormir tout ce qui traîne. La viande pourrie, j'en ferai, je vais leur laisser. Ils mangent de la viande normale aussi. À la limite, la viande pourrie, ils vont se la faire eux-mêmes, ils vont manger de la viande normale. Je préfère garder la viande pourrie pour taper du narcotique. Allez, un point de dégât de mêlée. Il a pas d'interaction quand il prend de niveau le scorpion, tiens. Je viens de me rendre compte de ça. Que j'ai dit là, ça, elle a pas de peau là-dedans. Montera a peut-être un peu de peau sur lui. Il a frité un petit peu sur le chemin aussi. 30 peaux. Et 107, on a dit qu'il fallait 170. Oh, il y a des flèches, tiens. Récupère tout et n'importe quoi. Lance en métal d'avance, lance en bois, je m'en fous. Kératine, je prends. Par contre, t'as plus à manger, mon pépère. Oh, et puis t'as faim en plus, dis donc. Arrêtez de me suivre. Oh, ils sont chiens, ils arrêtent pas de me suivre. Allez, venez. On va regarder ce qui reste, mais la selle, les selles de scorpion, ce sera pas pour aujourd'hui, je pense. Ça me paraît compliqué. Ah si, coup de bol. Coup de bol, j'ai ce qu'il faut. Bon, je vais ranger un peu mon bordel là-dedans. On peut faire une selle de scorpion. Au moins une, c'est très bien pour pouvoir ranger au moins. J'ai horreur d'avoir des dinos qui traînent partout. Hein. Ça fait un gros vrac. Fibre bois en principe. J'ai le bois, j'ai pas la fibre, comme par hasard. Oh bah y'en a là-dedans. Parfait ça. Celle de scorpion. On va au moins en mettre sur un, ce sera déjà bien. De toute façon là va falloir commencer à s'attaquer aux carnivores de chasse. Donc va falloir choper les ankylos aussi qui permettra d'avoir des carnots. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas encore chopé les gros levels. Il y a un moment où je vais commencer à me mettre en quête de gros levels quand je vais avoir suffisamment d'œufs. D'ailleurs, un œuf, il y en a là. Non! Pas d'autres? Pas d'autres. J'en avais rechopé un en hors cam d'Hilo. Je sais pas si vous en étiez rendu compte. Pas d'œufs de Ptera. De temps en temps, j'ai un œuf de Ptera aussi. Pas d'œufs 2, les engrais se font. Ça c'est long hein, les engrais. Tant que ça se fasse. Donc la selle on met sur n'importe quel niveau, on s'en fout. De toute façon la selle va certainement bouger pour le rangement. Le scorpion peut endormir et mettre des coups. Et il est quand même super fun à utiliser. J'adore le design du scorpion, c'est vraiment excellent. C'est vraiment pas mal. Donc pour cet épisode, on est pas mal. Hein. On est pas mal là. Oh là là, la serre, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, l'engrais, il est efficace, hein. Ah vache. Pousse à 10 mètres de hauteur, pas de problème. Ah, c'est classe. C'est vraiment classe le scorpion, ça m'éclate. Donc on va en rester là. On a bien avancé, on a bien avancé. Donc on a fait Fiomia pour la machine à caca. On a refait un par hasard de plus, deux scorpions. Donc deux scorpions, ça va commencer à pondre, je vais commencer à récupérer des œufs. Et attention, le scorpion, c'est les croquettes pour choper des T-Rex. Donc peut-être que le prochain épisode, ça me paraît court. Ça me paraît court pour avoir suffisamment d'œufs pour choper un T-Rex. Parce que le T-Rex, n'importe comment, c'est long. Donc sans croquettes, franchement... une pitié son croquette. Donc on est pas mal, il va nous falloir du patchy aussi. Du patchy ou du pachy, ça dépend. Comment vous l'entendez. De l'ankyo, il va nous en falloir parce que c'est la suite de la chaîne. Le doidicurus c'est bien gentil, mais c'est une fin de chaîne en fait. Donc à partir, on a beau faire un couple de doidicurus et faire plein d'œufs, on n'en foutra rien.
À part les manger, vous pourrez rien en faire. Après, peut-être sur les nouveaux dinos, j'ai pas encore suffisamment fait de recherche parce que j'aime bien trouver par moi-même au niveau des croquettes. Je fais un minimum de recherche sur le jeu parce que c'est la phase découverte qui est super intéressant. Intéressante. Donc, prochaine fois en kilo, parce qu'en kilo, après, croquettes dans kilo et Carnot. Carnot, intéressant aussi. Donc voilà. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, hein. Je vous le conseille, hein, c'est vachement bien, moi j'aime bien. Et voilà, Twitter, Facebook, dans la description. Les commentaires, vous n'hésitez pas, s'il y a quelque chose que vous voulez voir, vous avez des questions ou des suggestions ou des trucs, ah tu pourrais faire comme ça pourrait être plus intéressant. Surtout, vous n'hésitez pas. Tout est bon à prendre, tout est bon dans le cochon, comme on dit. Même si ça... aucun rapport. Bref, je commence à dire des conneries, tant que j'arrête. Allez, je vous dis à la suite, à la prochaine, sur le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien. Not like. Ugh.